Hello, 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 re. Re. Est-ce que vous êtes là? Peut-être. Peut-être pas. Bon. Quoi qu'il en soit, il est 20 h. Il est 20 h. J'avais dit qu'on ferait du Half-Life. Alors on va faire du Half-Life. Ça vous va? Let's go Half-Life. Fermer ça. Fermer ça. Normalement, il est installé. Normalement, je l'ai installé. Je l'ai pas installé. C'est pas grave. Prends 2 secondes, je pense. Ah, voilà, il est installé. Ça y est, j'ai fini. Donc, je vais le lancer, on va voir si ça fonctionne. Alors déjà, attends. Wow. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez le jeu là? Ah, oh, vous voyez le jeu! C'est incroyable! T'as vu, ça marche. Alors, mode fenêtrerie. Le jeu est sans... Ah ouais, là ça marche plus du coup. Ah si, ça marche. Mais le truc, c'est que le jeu est censé être carré, c'est ça? Attendez, attendez, attendez. Attendez. Vous voyez comment le jeu là? Vous voyez plus du tout. Pourquoi vous voyez pas le jeu? Ridicule. Ah, faut peut-être que... What the fuck? Pourquoi? Voyez pas du tout le jeu? Ah bah si, voilà, il est revenu. Ah bah là, voilà. Des bords. Voilà, c'est ça Half-Life, c'est comme ça Half-Life. Affichage normal. Ah, mais sinon, appli en 16 neuvième. Quelle serait la vraie différence? Oh, vous savez quoi? On va juste. Commencer. Et donc, attendez, j'avais déjà une partie, mais je pense qu'on va recommencer, hein. On va recommencer tout simplement. Oui, bah oui, c'est ce qu'on va faire. Nouvelle partie. C'est un niveau de difficulté. La salle d'entraînement. Oh, attendez, vous savez quoi? On va faire la salle d'entraînement. La sensibilité est minuscule. Attendez. Souris inversée, non. Vue souris, comment ça? Vue joystick. Si c'est le joystick, oui, d'accord. Sensibilité. C'est encore pas assez. Hein. Bonjour et bienvenue au parcours d'obstacles de Black Mesa. Vous y Oui. serez entraîné à utiliser votre combinaison Oui. de protection en environnement hostile. D'accord. Commencez par enfiler votre combinaison, elle est accrochée juste devant vous. Si vous voyez l'un de ces boutons, appuyez dessus et j'apparaîtrai.
Bonjour et bienvenue au parcours d'obstacles de Black Mesa. D'accord. Vous y serez entraîné à utiliser votre combinaison de protection. Ouais. Commencez par enfiler votre combinaison, elle est accrochée juste devant vous. J'ai l'air de monter là-dedans. Si ouais. Vous voyez l'un de ces boutons, appuyez dessus et j'apparaîtrai. Il glisse beaucoup, hein, Gordon Freeman. Black Mesa. Alors du coup, je voudrais tester la différence entre les deux trucs de vidéo, si je fais ça. Ah oui. Oh, mais c'est pas du tout le même jeu. Genre là, cette vue. Hop. D'après vous, c'est quoi le mieux? J'arrive pas à savoir c'est quoi, ce serait quoi le mieux. Sans doute normal, hein, comme le jeu a été pensé, quoi. Je pense que ce serait le mieux. Le son du jeu est fort, je trouve. Son du jeu aussi, ouais. Une des sons. C'est fort là ou pas? Ah, c'est vrai? Attends, on va. Reprendre. On va recommencer. Bonjour et bienvenue au parcours d'obstacles de Black Mesa. Vous y serez entraîné à utiliser votre combinaison de protection en environnement hostile. Commencez par enfiler votre combinaison, elle est accrochée juste devant vous. Si vous voyez l'un de ces boutons, appuyez dessus et j'apparaîtrai. Nickel là, t'inquiète. Moyen. Là, tu m'entends bien. Tout va bien. C'est quand les PNJ parlent, tu m'entends moins? Je vais baisser le son un peu, ça devrait être bien. Mais j'aimerais savoir si tu préfères, si c'est mieux le 4 tiers ou le 16 neuvième pour Half-Life. Parce que de base, il y a marqué normal ou 16 neuvième. Normal étant la 4 tiers. Ah oui, ah, y a des grosses résolutions. Attends, si je mets en normal... Son jeu est fort. Attends, mon jeu a crash. Ok. Mon jeu a crash. Trop bien le jeu. Jouer quand même. Attends. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? 16 neuvième est censé être plus propre, mais je comprends rien. Pourquoi est-ce que Steam... Ah, c'est bon. Ouais, donc je peux mettre en 16 neuvième et je peux mettre les graphismes au max. Attends, je peux mettre la résolution max, quoi. Aussi, je peux faire ça. Voilà, le jeu. Je peux le mettre jusqu'à là, là. Appliqué. Voilà, ah là, le jeu, il est beau. Là, le jeu, il est en 16 neuvième. Attends. 16 neuvième, donc. On va rester comme ça, hein. C'est pas mal. Ah, on est propre là. Alors du coup, on va commencer la salle d'entraînement. Ah, c'est beaucoup mieux. Non. Bonjour et bienvenue au parcours d'obstacles de Black Mesa. Mais même pour moi, c'est fort en fait. Ça doit être juste les voix qui sont pas. Volume transmission des voix, volume réception des voix. Ah mais non, mais ça tort, ça doit être ça. Celle-là là. Volume des sons. Gna 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 gna. Volume des sons. Voilà.
Bonjour et bienvenue au parcours D'accord. d'obstacles de Black Mesa. D'accord. De protection D'accord. en environnement. Si vous voyez l'un de ces boutons, appuyez dessus et j'apparaîtrai. Si vous voyez l'un de ces boutons, appuyez dessus et j'apparaîtrai. C'est bon là? Normalement, c'est mieux. Bonjour et bienvenue au parcours d'obstacles de Black Mesa. Vous y serez entraîné à utiliser votre combinaison de protection en environnement hostile. Commencez par enfiler votre combinaison, elle est accrochée juste devant vous. Si vous voyez l'un de ces boutons, appuyez dessus et j'apparaîtrai. Très bien. Ouais, c'est peut-être juste elle, hein. Bonjour. Ok. Soyez le bienvenu dans votre combinaison de protection en milieu hostile. Très bien, merci madame. Je fais quoi maintenant? Je peux descendre là? Ah, je meurs, je pense. Je pense juste que je vais mourir. Ok, c'est bon. Vous aurez peut-être un peu de mal au début à vous déplacer dans votre combinaison. Prenez le temps de vous familiariser avec son utilisation. Vous ferez rapidement corps avec elle. Okay. Je vous retrouve à l'angle du prochain couloir. C'est pas si dégueulasse que ça, je trouve. Hein. Le jeu, c'est quoi 98, je crois. 99. Non, c'est 97, Half-Life, je crois. Plutôt propre, hein. Il est beau le jeu. Les textures, regarde. 4K. Très bien. Le premier mouvement auquel vous allez vous entraîner est le saut. Vous allez essayer de traverser ce couloir rempli de tuyaux uniquement en courant et en sautant. Prenez de l'élan. Regardez-moi faire et essayez à votre tour. Allez, vas-y. Oh, l'animation est incroyable. Bon travail. Ces nouvelles combinaisons ne sont pas faciles à comprendre. À présent, dirigez-vous vers la zone suivante. Je peux pas y aller, là? Je peux pas. Je peux. Je vais y aller. Et il me regarde? Non, il me regarde pas forcément. Je peux juste pas. Hein. Triste. Bon. Maintenant, vous allez apprendre à vous accroupir. Remarquez que lorsque vous vous agenouillez, votre combinaison passe automatiquement en mode furtif. Vous faites D'accord. alors moins de bruit en vous déplaçant. Oh, ok. Oh. Let's go, j'ai fait les Bravo. Trois. C'est à peine si je vous ai remarqué. Dirigez-vous vers la zone suivante. Du bio comme sur CSGO. Nous allons maintenant combiner plusieurs actions. Vous allez sauter, vous accroupir, puis sauter à nouveau. Oh, Entraînez-vous, car dans la salle suivante, vous devrez effectuer ces deux mouvements en même temps. Bah comme ça. Ah oui, bah c'est comme sur CS, tu crouches et tu sautes en même temps. Beau travail. Oh là là. Je crois que vous êtes prêt pour l'exercice suivant. Je suis trop fort. Bon alors. Pour entrer dans ces tuyaux, vous devez effectuer un saut accroupi. Placez-vous juste devant l'entrée du tuyau et continuez d'avancer. Sautez, et Allez. Une fois en l'air, appuyez sur la touche permettant de vous accroupir. C'est un peu difficile, mais ça se révélera très pratique. Elle a des pop. Je crois que ça devait pas se passer comme ça. Je suis pas en face. Voilà. Magnifique. Trop fort. Hop, donc je fais ça. Oh, chargement. Allez droit sur l'échelle. Regardez vers le haut et continuez d'avancer. Si vous voulez redescendre, il suffit de reculer. Il y avait une musique là. What the fuck? Ah non, c'est moi. C'est moi qui marche.
C'est de la musique? Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Allez droit sur l'échelle. Regardez vers le haut et continuez d'avancer. Si vous voulez redescendre, il suffit de reculer. Ouais. Oh, j'ai une lampe. Attends. Ouais, c'est un hologramme, elle s'en fout. Oh. Bon, j'y vais, hein. Les trois prochains sauts sont plus difficiles à réussir, mais pas impossibles. Quoi? Ne soyez donc pas étonnés si vous ne parvenez pas à réussir le troisième saut du premier coup. Si vous arrivez à effectuer les trois sauts d'affilée, vous êtes doué. Oh! Est-ce que je suis doué? Est-ce que je suis doué? Je vais là après? Est-ce que je suis doué? Continuez. Je suis pas doué. Vous finirez par y arriver. Je suis pas doué. Pas doué. Moi, j'ai pas réussi, donc je suis pas si doué que ça. Oh. 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 Non. Si vous êtes trop court, c'est probablement que vous sautez trop tôt. Je saute trop tôt. Ah voilà. Superbe. Il ne vous reste plus qu'un type de saut à mener. Le grand saut utilise son propre circuit d'accumulateur que vous pouvez voir ici. Pour effectuer un grand saut, vous devez vous accroupir, avancer et sauter. Lorsque vous serez sur la plateforme, appuyez sur le bouton et je vous ferai une démonstration. Là, je suis sur... Ah non, faut que j'aille là-bas. Comme ça? Non. Pensez à récupérer le module de grand saut. Ah, faut que je le récupère? Non, je l'ai pris. Faut que je retourne là-bas? Non, il était là. Faut que je reste à pied? Attends. Oui, je l'ai, mais comment je l'utilise? C'est quelle touche? Attends. Ah oui, c'est ça, merci. Magnifique. Tellement facile. Soupux là-dessus. Du coup, j'ai réussi à aller là. Voilà. C'est quand j'ai l'acrobat là? Et du coup, ça sert vraiment à faire des gros longs jumps à Super Mario quoi. Incroyable. P sur touche avancée pour monter à l'échelle. Oui, bah d'accord. Faut que je descende là. Pour utiliser l'ascenseur, allez jusqu'au bouton, placez-vous face à lui et appuyez sur le bouton. Yippie ! Maintenant que vous êtes ici, il n'y a qu'un moyen de descendre. Localisez la cible sur le plancher et essayez de l'atteindre. Si vous vous blessez, vous serez soigné dans la pièce suivante. D'accord. Bah, c'est ce que je viens de faire. J'étais un peu rapide. J'ai vraiment l'impression de glisser en fait. Oh, c'est normal hein. Vous trouverez des modules de soins comme celui-ci un peu partout dans le centre de Black Mesa. Je la mange. Pour vous soigner, approchez-vous d'un module et appuyez sur la touche utilisée. D'accord. Votre état de santé s'améliorera progressivement jusqu'à épuisement du module. Une fois la diode éteinte, le module de soins ne peut plus être utilisé. Yumi, le first aid kit. Miam, 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 miam.
Oh. Oh, il y en a encore. Bon, allez. Speedrun. Il y a un truc là. Ah, il y a rien. Il y a rien, et tellement rien. Oh! C'est quoi comme un. Comme moustique ça? Comme insecte? Yummy! Oh, il est trop bien fait ce jeu! Oh! Je l'ai écrasé? Oh, je l'ai écrasé! Non, pourquoi je l'ai écrasé? Comment j'ai fait pour l'écraser? J'ai juste marché dessus et il est mort? J'ai même pas vu! J'arrête. Vas-y, le cafard. C'était un cafard donc, mais. Eh, il est trop bien fait ce jeu, faut arrêter là. J'ai écrasé un cafard quoi. Il a fait du bruit en plus. Je suis passé ici, peut-être. Pour faire tourner ce pont, allez jusqu'à la route contrôle et appuyez sur la touche utilisée. La route contrôle. Là. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, il faut que je... Yeah ! Trop facile. Fantastique. Moi, je vais là. Il n'y a rien du tout. Non ! Ouf. Fracture importante. Fracture importante ? Système de soins activé. Injection de morphine. C'est quoi, ça ? Injection de morphine ? Je vais récupérer mes PV, alors. Ben, en vrai, j'ai pas besoin du pont. Voilà, j'ai pas besoin du pont. J'ai cassé le jeu, ça y est. Parfois, vous devrez vous passer de combinaison. D'accord. Essayez de franchir cette fosse par vous-même. Bah. Vous devez en fait pousser cette... Mais voilà, j'ai cassé le jeu. J'ai pas besoin de la caisse, moi. Attends, oh, mais comment j'ai fait? J'arrive plus. Ah bah comme ça. Voilà. Il est cassé, le jeu. Si vous ne pouvez pas pousser un objet qui vous gêne, essayez de le tirer. Pour tirer une caisse, allez vous coller contre elle et appuyez sur la touche utilisée. Maintenez enfoncée la touche utilisée et reculez lentement. J'ai pas fait exprès. J'ai pas écouté. Si vous ne pouvez pas pousser un objet qui vous gêne, essayez de le tirer. D'accord. Pour tirer une caisse, allez vous coller contre elle et appuyez sur la touche utilisée. Maintenez enfoncée la touche utilisée. J'ai pris la caisse, je suis là-bas. Oh. Est-ce que tu crois? Oh. Je l'écrase pas, je l'écrase pas. Trop stylé l'insecte, le scarabée. Bon. Viens ici. J'ai fait pause. Oh. Il est où? Il est où? Il est parti. Ah, il est là. Il est coincé. Il était coincé. Je l'ai pas écrasé là. Ah non, il est là. Il aime bien les murs.
J'aime beaucoup les murs. J'étais backroom là, tu penses? Je me suis fait backroomed? Ah non, l'insecte! Non, non, il est là! Il est là! Yes! Yes! Petit cafard! Petit cafard! Petit cafard! Hop! Bon bah lui il va rester vivant. Voilà. Donc j'ai bousé la caisse. Bisous. Là, je suis censé faire quoi? Sauter? Attends. Oh, il est trop pipou! Il bouge pas, lui. Trop pipou l'insecte. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Au revoir. Poyo. Bah, il s'appellera Poyo, c'est Poyo, l'insecte. Enfin, si rien d'autre ne fonctionne, vous pouvez essayer de réduire en miettes les objets qui vous gênent. Prenez le pied gauche sur la table derrière vous et ouvrez un passage. Donc, il faut que je casse. Attends. Oh! Je peux me stuck? Ouais, j'ai. Mais j'y arrive. Oh, on peut, on peut. On peut, hein. On peut, voilà. Voilà, moi je casse rien. Il est de retour. Poyo, c'est Poyo. Je suis trop fort au jeu, mais moi je casse rien. Mais pourquoi tu me ma... pourquoi tu passes sous mes pieds aussi, toi? Faut que je casse ça, je crois. Ah non. Faut que je fasse quoi? Break crouch? Ah mais si, il faut bien que je passe là. Ok. Break crouch. Pour la zone suivante, allumez votre lampe torche. Faut pas passer là? Ah bah là c'est les backrooms un peu. Hein. Ah oui, en fait c'est les backrooms ici. Ok. Ah. 45. Ah oui, d'accord. Ok. Oui. Ah, mais je crois qu'on peut pas. Je crois qu'on peut pas. Je crois que j'ai perdu mon super saut, je crois. Ah non. Pourquoi je peux pas? Non, mais faut pas que tu passes ici, je vais t'écraser. Attends. Attends, allez, tu peux. T'as du farm FF5 à faire, mais t'inquiète pas. Y a pas de souci. Allez, va-t'en là. J'ai pas envie de te buter. Non, mais. Allez, on speedrun. Ah, je l'ai pas eu celui-là. Et je suis tombé en plus. Je fais une
sorte de speedrun, mais en fait je slowrun plus que je ne speedrun. J'aime bien le slowrun moi. Tu vas me dire que je peux pas aller là, oh, ça dégoûte. Je peux vraiment pas y aller, je pense. Il y avait un insecte là. J'ai marché sur un insecte. Non. Pouyo. Formidable. Souvenez-vous que la lampe torche utilise de l'énergie. Éteignez-la lorsque vous n'en avez plus besoin. Très bien. D'accord, madame. Il n'y avait rien ici. Est-ce que je peux me softlock là? Non. Non, je ne peux pas. D'accord, donc c'est là où on est. On est passé pas loin ici, non? Je sais pas. Ok. D'accord. Bienvenue au stand de tir de Black Mesa. Vous y apprendrez à tirer, à recharger votre arme et à utiliser le lance-grenade intégré. Veuillez prendre votre arme et avancer sur le pas de tir. Counter-Strike. Voilà. Oh. Je prends toutes les... Je dois aller où? Je dois aller là-bas? Ah oui. D'accord. Pour finir le parcours, vous devez toucher toutes les cibles. Si vous en ratez une, ne vous inquiétez pas. Vous aurez à nouveau l'occasion de tirer dessus. Pensez à recharger quand vous en avez l'occasion pour ne pas vous retrouver à court de munitions dans un moment critique. Pour tirer avec le lance-grenade, utilisez le bouton de tir secondaire. D'accord. Certaines cibles ne peuvent être détruites que par une grenade. Début de la séquence. 5, 4, 3, 2, 1... Ça c'est une breakable, ok. D'accord. J'ai fini là. Ah non là. Vous venez de terminer le parcours de tir de Black Mesa. Veuillez passer à la zone suivante. Ah j'ai plus de cheveux, j'ai plus de grenades. Enfin de lance-roquettes là, je sais pas quoi. Exploser. Ok. Oh, faut que ça se recharge quoi. Bon. Ah, j'en ai plus du tout je crois. En nageant sous l'eau, vous allez consommer votre oxygène plus rapidement. D'accord. Votre combinaison vous alertera sur le danger d'asphyxie. À mi-chemin de ce parcours aquatique, vous aurez l'occasion de remonter à la surface pour y reprendre votre respiration. Le bruit des armes est fort, mais je sais pas ce que je peux faire contre ça. Sachant... Il n'y a pas d'option pour différentes... Limite, je baisse le son, quoi. Mais c'est quoi la différence entre les MP3 et les CPMH, là? Lecture MPEG... Layer 3... Par le My Sound System de RAG. Ah, mais c'est le son. Ah, c'est la meilleure chance, c'est la meilleure manière, je pense. Parce qu'en soi, moi, ça va. Ça me dérange pas. Donc, ouais, à la limite, baisse le son, hein. Je dois faire quoi, là? En nageant sous l'eau, vous allez consommer votre oxygène plus rapidement. Votre combinaison vous alertera sur le danger d'asphyxie. Imagine, je peux. À mi-chemin de ce parcours aquatique, vous aurez l'occasion de remonter à la surface pour y reprendre votre respiration. Non, je peux pas. Ah, je peux. Dommage, presque, hein. Oui, donc là, je peux le soigner, là. Je peux pas.
Remontez et respirez bien. Vous verrez l'indicateur d'oxygène revenir à son niveau optimal. Continuez à nager pour terminer le parcours. Ouais, du coup, faut que je tombe dedans? Non? Ah si. J'ai dit là-dedans. Très bien. Ah, je peux prendre un crowbar. Voici un pool d'énergie qui vous permet de recharger votre combinaison. D'accord. Quand vos accumulateurs commencent à faiblir, montez sur un pôle d'énergie et appuyez sur la touche « Utiliser ». Les accumulateurs de votre combinaison se rechargeront progressivement jusqu'à épuisement du pôle d'énergie. Vous pouvez également utiliser des accumulateurs autonomes pour recharger votre combinaison. Très bien. Ça me remet à 100% de shield, quoi. Oh, la vie de ma mère que je vais là. Oh, mais on revient. C'est là où je suis monté. Oh, oui, d'accord. Là, je fais le malin et tout. Yeah. Si vous passez à travers le feu ou la vapeur brûlante, votre combinaison vous signalera le danger d'hyperthermie. Des indicateurs de position vous permettront de localiser précisément les dégâts occasionnés. D'accord. D'accord, d'accord. Certains types de dégâts sont indiqués à l'écran. Oui, d'accord. Ça me montre les dégâts, quoi. Oh, par contre... D'accord, ça montre que ça vient de la gauche, la droite... À l'approche d'une zone radioactive, un témoin s'affichera dans le VTH de votre combinaison. Les menaces bactériologiques sont également signalées par des alarmes visuelles. C'est marqué où? Ah oui, c'est marqué là, en bas à gauche. Ok. Attention, oh ouais, t'inquiète. Veuillez avancer jusqu'à la zone suivante. Y'a quoi comme animation? Y'en a? Veuillez avancer jusqu'à la zone suivante. Très bien, madame. Comment on fait? Je sais pas, ici. Ah bah c'est là. Nécessairement long en plus, je crois. Oh, oh. Demandez à un agent de sécurité non. De vous accompagner dans la pièce suivante. Non. Il vous permettra d'utiliser le système ferroviaire. Vous devez pour cela vous approcher du garde et appuyer sur la touche utiliser. L'agent de sécurité vous suivra jusqu'à ce que vous vous placiez devant lui et appuyez sur la touche utilisée. Ouais, mais... Ah, oh, je suis déçu, je pensais que je pouvais casser la vitre. Donc... Ok, je vous suis. Ok, je vais attendre ici. Ok, je vous suis. Ok, je vais. Ok, je vous suis. Ok, je vais. Ok, 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 je vous suis. Ok, ok, je vous. Ok, je. Ok, je. Ok, ok, je. Ok, 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 je vous suis. Toujours le temps de jeu. Ok. Ok, je vais attendre ici. Ah, il est trop bien fait ce jeu. Oh, j'ai cassé la vitre. Ok, je vous suis. 12 heures de jeu, bah c'est...
pas si mal. Hein. Ok, je vais attendre ici. Ok, je vous suis. Ok, tu me suis. D'accord, puisque vous me le demandez. Ok, je vous suis. Vous viendrez là. Je casse tout. Ok, je vous suis. Je peux en avoir que deux. Accès refusé. Ok, je vous suis. Ah, je peux en avoir que deux. Oh, lui, on s'en ok, fout. J'attendrai ici. Ok, je vous suis. Ok, je vais attendre ici. Ok, je vous suis. Allez, vous viendrez. Elle est d'où là? Oh, on voit les collines de Black Mesa. Eh, va-t'en. Arrêtez ça. Voilà. Mais viens aussi, toi. Oh, les bottes. Un peu compliqué à gérer. Hein. Viens ici. Appuyez sur la touche utilisée pour mettre le train en marche. Sachant que j'ai toujours pas commencé le jeu là. Ok, je vais attendre. Ok, je vous suis. Appuyez à nouveau sur la touche utilisée pour stopper le train. Très bien. Bah vous venez. Je vous dis de venir, vous venez. Tu me suis ? Vraiment venir ou quoi? Je pense pas. La fin de l'intro? Oui, enfin là c'est pas l'intro que je fais le comment ça s'appelle? Je fais la salle d'entraînement là, ici. Ouais, c'est ça, le tuto. Quoi. D'accord. Vous voulez quoi comme épitaphe sur votre tombe? J'ai pas réussi à le tuer, oh non. Vous avez terminé le parcours d'obstacles de Black Mesa. Vous êtes à présent habilité à utiliser le modèle 4 de la combinaison de protection en milieu hostile. D'accord. Très bien, madame. Bon, allez. Non, je vais pas charger, du coup. Parcours d'obstacles, bureau... Ouais, d'accord. Non, on va faire une nouvelle partie. En moyen. En hard, ça risque d'être un peu chaud. Non, je vais faire ça en normal. C'est parti. Bonjour et bienvenue à bord de cette rame automatique. Notre réseau de transport est exclusivement réservé au personnel du centre de recherche de Black Mesa. Vous pouvez vous promener dans la rame ou vous asseoir et profiter du voyage. Oh, il y a les noms des devs qui s'affichent du coup. Il est 8h47. La température extérieure est de 35 degrés. Elle atteindra 40 degrés cet après-midi. À l'intérieur du centre de recherche, la température est de 21 degrés. John Cook. Petit chargement. Cette rame assure la liaison entre les dortoirs du niveau 3 et les laboratoires du secteur C. D'accord. Si vous souhaitez vous rendre au-delà du secteur C, veuillez emprunter une rame de haute sécurité au terminal de la zone 9. L'entrée en zone de haute sécurité est soumise à l'identification rétinienne. Si ce n'est déjà fait, présentez-vous au service du personnel afin de vous immatriculer. C'est là que tu vois qu'il y a des trucs glauques à Black Mesa, enfin, un peu sus, tu vois. Ah, on descend là. Wow. En raison de l'extrême toxicité des matériaux utilisés au centre, il est interdit de fumer, de boire, d'accord, ou de manger à bord des rames de transport. C'était pas prévu, madame. Meurs, je me suicide. Veuillez ne pas vous pencher en dehors de la rame.
N'essayez pas d'ouvrir les portes avant l'arrêt complet en station. En cas de défaillance, les passagers sont priés de rester assis et d'attendre de nouvelles instructions. S'il s'avérait nécessaire de quitter la rame entre deux stations, les blessés doivent être évacués en premier. N'approchez pas des rails électrifiés et rendez-vous au poste d'urgence le plus proche pour y attendre les secours. Ça mène là où je devrais être. Ah ouais, d'accord. Dès que je saute, en fait, je recule. Enfin, je recule pas. Vu que la rame avance, bah, ça me fait reculer dans la rame. Je crois sur Steam. Nous il est vraiment bon. Que les épreuves du parcours d'obstacles de Black Mesa se dérouleront ce soir à 19h au niveau 3. Les demi-finales sont réservées au personnel de haute sécurité. C'est en maintenant votre condition que vous assurerez à votre personne ainsi qu'à tous vos collègues les meilleures chances de survie en cas de problème. Si vous connaissez quelqu'un présentant les qualités nécessaires, sachez que des postes sont à pourvoir immédiatement en manutention et en sécurité. Contactez le service du personnel de Black Mesa pour de plus amples informations. Si vous connaissez des experts en sciences de la matière, biotechnologie ou autres disciplines scientifiques de haut niveau, veuillez contacter la direction du recrutement. Le centre de recherche de Black Mesa offre des chances égales d'emploi pour tous. Le personnel. Le contrôle des taux de contamination nucléaire et biologique est obligatoire. Toute absence injustifiée aux séances de contrôle fera l'objet d'un renvoi immédiat. Si vous pensez avoir été exposé à des matériaux radioactifs ou toxiques au cours de votre travail, contactez immédiatement votre officier de sécurité. Soyez prudent et intelligent, votre avenir en dépend. On l'a vu, c'est bon. On l'a vu. Je pouvais pas, il était dans l'autre rame, je pouvais pas le frapper. T'inquiète pas que je l'enfais, j'ai rien pour moi. Et installation de contrôle. Je pense qu'on va sortir ici. Éloignez-vous des portes automatiques. Attendez que l'officier de sécurité ait vérifié votre identité. Avant de descendre du train, vérifiez que vous n'avez oublié aucun effet personnel. Merci d'avoir voyagé à bord de notre rame. Nous vous souhaitons une journée agréable et productive. Bonjour, monsieur Freeman. Bonjour. Vous êtes en retard, on dirait. Non, c'est pas vrai. Désolé, monsieur, je dois rester à mon poste. Désolé, monsieur Freeman. À tout à l'heure, devant une bière. Ça ne peut pas attendre. D'accord. Désolé, monsieur Freeman, mais je suis le garde. Ça ne peut pas attendre ? Non, c'est pas vrai, je suis pas en retard. C'est pas vrai. Je sais pas d'où vous sortez ça, là. Je suis pas en retard à ma première journée de travail, quand même. C'est pas possible, je peux pas être en retard. Un truc bizarre. Non, j'ai rien, c'est rien. Ouais, je peux pas être en retard, c'est pas possible. C'est eux là, ils sont en retard. Ils sont en avance sur deux. Belle démarche, monsieur. Pourquoi devons-nous tous porter? Pourquoi devons-nous tous porter quoi? Oh! C'est pas oui, moi. Tout a l'air de fonctionner. Poussez-vous, Freeman. J'attends un message très important. Eh. Parle mieux. Et attends.
qui est le plaisantin qui a caché mes lunettes. Ah, monsieur Freeman. Quelle lunette c'est là ? J'ai tout un tas de messages pour vous, mais mon ordinateur a planté il y a une vingtaine de minutes et je suis encore en train d'essayer de retrouver mes fichiers. D'accord. Il y a des jours comme ça. Ils avaient quelques problèmes dans la salle de test aussi, mais je crois qu'ils les ont résolus. Ils m'ont demandé de vous y envoyer dès que vous aurez enfilé votre combinaison. D'accord. Bah, donne-la moi. Mon Dieu, qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez ça ! Allons, Gordon. Vous voulez m'attirer des ennuis ? Qu'est-ce que j'ai fait ? À tout à l'heure, devant une bière. Qu'est-ce que j'ai fait ? Revenez me voir après l'expérience. Après l'expérience ? Veuillez attendre la fin du test, s'il vous plaît. Excusez-moi, Gordon, ce n'est pas le moment de me déranger. Je te dérange pas ? Ça fait combien de fois que vous recalculez les coordonnées de croisement ? Oh, Einstein, le vrai. Qui peut le dire ? Dites, vous devriez être en salle de test de... Excusez-moi, Gordon, mais je suis très occupé. Veuillez attendre la fin du test, s'il vous plaît. Il est très occupé. Il est très occupé, faut pas que je le dérange. Il a l'air ultra occupé. Bon, je fais le clown là, mais bon. Oh. Ce n'est pas le moment de me déranger. Ah, lui, il est un peu plus crédible. Contre leur démarche, elle est un peu chelou. Hey! Vous venez me voir après l'expérience. Dites, vous devriez être en salle de test depuis une demi-heure. Attends, mais tout le monde me dit la même chose. Il y en a d'autres qui ont faim. Moi, j'ai faim. J'ai le droit d'avoir. Soyez gentil de parler moins fort. Oh, ils sont en train de se parler si entre pour eux. Une fois on pouvait obtenir des relevés un peu plus clairs, ce serait fantastique. Je ne me hasarderai pas à faire la moindre suggestion. Très bien. Le G-Man ! Je l'ai retrouvé ! Ils sont en train de dire quoi ? Ils sont en train de dire quoi ? Hey ! Il faudrait une crowbar là et je pourrais le taper. Je pense que c'est cassable. Quoi ce livre rouge là ? J'ai retrouvé le G-Man ! Oh non ! Oh, la tableau périodique. Les gong. Oh, je vais rester là. Jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Il se passe rien. Il va rien se passer, je pense. Je suis allé là, mais... C'est pas là qu'il faut que j'aille ? Si, je pense que c'est là. Attendez. Vous avez vu ma tasse de café ? On va aller là avant. J'ai pas le droit d'aller là. Vous vous trompez de sas, monsieur Freeman. Vous savez bien que je ne peux pas vous laisser passer par là. Bah, et pourquoi ça ? Désolé, monsieur, je dois rester à mon poste. Ah ouais, mais je te demande pas de bouger. Désolé, monsieur Freeman, mais je suis le garde. D'accord. À tout à l'heure, devant une bière. Si tu veux. Désolé, monsieur, je dois rester à mon poste. Vous vous trompez de sas, monsieur Freeman. Vous savez bien que je ne peux pas vous laisser passer par là. Mais... Bon, j'ai pas le droit. Triste, c'est très triste. Là, il y a le G-Man, là. Il est partout, cet homme. Bon. Ce n'est pas le moment de me déranger. Gnagnagna, personne veut que je le dérange. Moi, je vais déranger les gens, moi. Oh. Bonjour. C'est étrange. Tiens, je te l'ai donné. Tu l'avais pas ? La majeure partie des résultats de la simulation est parfaitement acceptable. Mais... Oh. Je m'y attendais.
Mon Dieu, qu'est-ce que vous faites? Ça a explosé. C'est pas moi, Mais, tiens. Tout ça m'a l'air parfaitement en ordre. Tu veux pas? Revenez me voir après l'expérience. Dites, vous devriez être en salle de test depuis une demi-heure. Depuis une demi-heure? Ça fait une demi-heure. J'ai une demi-heure de retard. Mais regarde, c'est ici. Il est descendu, tu le vois pas? Bon. Allez, j'arrête. J'ai pas le droit d'aller là. Ah si, c'est là. Freeman! Oui? Où est-ce que j'ai mis cette note sur le... Pourquoi devons-nous tous porter ces cravates ridicules? Excusez-moi, Gordon, mais je suis très occupé. Il est occupé à réfléchir, je pense. Alors, je pense à signaler cette fluctuation. Ah, les PNJ, Ledlow. Ok, ok, bah c'est les noms, ça. Faut que je trouve Freeman, quoi. Oh, ça doit être ça, moi. Oh. Je me demande si je ne devrais pas refaire ce test. Tu veux aller aux toilettes? Oh, pas normal ça. Moi je veux aller aux toilettes, j'ai pas le droit. Non, moi j'ai pas le droit. Qui est le plaisantin qui a caché mes lunettes? Toi t'es crédible. Un peu plus. C'est étrange. C'est étrange tout ça. Bon. Bon, on va mettre l'armure. Hein. Bonjour. Soyez le bienvenu dans votre combinaison de protection en milieu hostile. Le futur activé. Contrôle des fonctions vitales activé. Contrôle de munitions activé. Contrôle de munitions activé. Pourquoi devrais-je porter ces cravates ridicules? Activé. Système automatique de soins activé. Le futur. Attendez. C'est là que je dois aller? Je sais pas. Alors c'est votre tour aujourd'hui. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça s'arrête, je crois. Ça ne peut pas attendre. Désolé, monsieur, je dois... Veuillez attendre la fin du test, oh non, s'il c'est vous plaît. La fin. Est terminé. Mais bon, Black Mesa, ouais, c'est ça, c'est Black Mesa. Alors moi, ça m'intéresse énormément le Lord Half-Life. Lord Half-Life, mais m'intéresse énormément. J'en connais pas mal. J'en connais pas mal. J'ai regardé plein de vidéos sur le Lord Half-Life. Ce qui est autour, hein. Après Half-Life, là, j'ai Half-Life et j'ai les autres. J'ai les suites de Half-Life, j'ai. Je sais plus comment elles s'appellent. Je les ai toutes. Comment elle est là? T'inquiète pas, enfin du coup t'as prévu de le faire le chef ou pas? Peut-être. Excusez-moi Gordon, mais je suis en train de voir après l'expérience. Bon bah, moi j'avais fait une expérience. Hein.
je te regarde. D'accord, ouais, mais tu serais peut-être pas sous le temps là. Après, du coup, je vais mettre les rediffs, mais... Je pense que je vais streamer que le soir, puis... Ah, Gordon Freeman. Bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Ça se trouve, je le finis la semaine prochaine. Dites, vous devriez être en salle de test depuis une demi-heure. D'accord, d'accord. Ouais, tu regarderas la rediff, mais pas de soucis, là. Désolé, monsieur Freeman, mais je suis le garde. Bon, il y a toujours pas. Il est l'heure. Ah, je me demandais comment elle tenait comme ça, l'eau, mais... Il y a de la glace. C'est quoi, ça? Bref. Control Room. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Ah, Gordon, vous voilà. Nous venons d'envoyer l'échantillon à la salle de test. Nous avons poussé le spectromètre antimasse à 105%. D'accord. C'est un peu risqué, mais il nous faut une résolution supérieure. L'administrateur tient vraiment à ce que nous parvenions à analyser cet échantillon. Je crois qu'ils ont eu du mal à se le procurer. Ils vous attendent, Gordon, dans la salle de test. D'accord. Ah, la fameuse machine. Que diriez-vous de remettre l'analyse à plus tard, le temps de recalibrer les mesures? Je parle de tout parler, lui, oh non! Control Room. Control Room. Bonjour. C'est sur le point de lâcher. Oh. Ah ouais, c'est un peu ça. Mais qu'est-ce qu'il a, cet appareil? Ça n'a pas été conçu pour ça, à la base. Ouais. Ça n'a pas été conçu pour ça. Ah ouais. Ouais, c'est de la mise en scène et tout. Oh bah ouais. Stylé. Faut peut-être que j'appuie sur un bouton, mais oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, lui. La majeure partie des résultats de la simulation est parfaitement acceptable. La majeure partie? La majeure partie, mais... Bonjour. À l'entièreté... Oh, bonjour. C'est le premier qui me dit bonjour. Veuillez attendre la fin du test, s'il vous plaît. Ah ouais, bah, c'est tout de suite moins poli, hein. Je te parlerai plus jamais. Alors, le labo de test, C-33A. C'est quoi ça, un oral? C'est un jury? Gordon, je crois que nous allons devoir nous éloigner un peu des méthodes d'analyse habituelles. C'est exact, mais nous avons de bonnes raisons de le faire. Très bien. C'est une chance unique, il s'agit de l'échantillon le plus pur que nous ayons jamais vu. Et potentiellement le plus instable. Oh, si on suit la procédure d'insertion, tout devrait bien se passer. Comment pouvez-vous dire cela? J'admets que le risque de résonance en chaîne est très limité, mais je n'aime pas le... Ça ne concerne pas notre ami Gordon. C'est un spécialiste parfaitement entraîné. Nous avons assuré l'administrateur que tout se passerait bien. Moi, je suis entraîné de fou. Avez raison. Gordon, nous avons entièrement confiance en vous. Ah, ça fait plaisir. Bien, allons-y. Faites-le entrer maintenant. La fameuse salle. Bon. Est-ce que je peux bio partout? Non. Un, deux, un, deux. Tout a l'air en ordre. Très bien. Je monte là-haut. Très bien. Gordon, votre combinaison devrait vous protéger le temps de l'opération. Le spécimen vous sera bientôt envoyé. Montez et actionnez les rotors. Nous allons régler le spectromètre antimasse à 80%. Faut que j'active ça, je pense. Ouais, c'est ça. Hop. Bon, il est bien fait, ce jeu.
Très bien, on s'en occupe maintenant. Paré pour la phase 1, énergie dans 3, 2, 1. Je vois la matrice de phase. Faudrait peut-être que je m'éloigne, non ? Attention, début de la phase 2, maintenant. Gordon, impossible de prédire combien de temps le système pourra fonctionner à ce niveau de charge, ni celui que prendra l'analyse. Essayez de travailler aussi vite que possible. Mais je peux rien faire pour l'instant. Condensateur supérieur à 105%. Ce n'est probablement pas un problème. Probablement pas, mais j'ai quelques écarts anormaux sur... Non, ça y est. Plus rien en dehors des limites de tolérance. Continuons. Je peux rien faire. On informe que l'échantillon est prêt, Gordon. Préparez-vous à le réceptionner. Oh, ok. Simen vous sera bientôt envoyé. D'accord. Montez et actionnez les rotors. Oui. Nous allons Vas-y. Régler le spectromètre anti-masse à 80%. Yes. Bon, du coup, on va éviter de tomber. Je pensais vraiment que j'allais mourir pour ça. Oh. Est-ce que je meurs là-dedans ? Très bien. On s'en occupe maintenant. Ah non, c'est un mur invisible. Paré pour la phase 1, énergie dans 3. Je pense que là, 2, si j'y vais maintenant, j'y vais pas, par contre. Je vois la matrice de phase. Ouais, bon, on recommence du coup. Attention, début de la phase 2. Non, mais tellement déçu, tellement déçu. Pourquoi je suis mort ? Gordon, impossible de prédire combien de temps le système pourra fonctionner à ce niveau de charge, ni D'accord. celui que prendra l'analyse. Essayez de travailler aussi vite que possible. Si j'attends trop longtemps, qu'est-ce qui se passe ? Condensateur supérieur à... Rien, je pense. 105%. Ça n'est pas...
m'informe que l'échantillon est prêt, Gordon. Préparez-vous à le réceptionner. Ouais. Très bien. Donc faut que je le remette là-dedans. Et on meurt pas. Après. Gordon, gardez-vous des rayons. Désactivation. Réagis pas. Et des Lego qui tombent. On va voir les aliens là. Assister un jour à une résonance en chaîne, et encore moins en créer. Gordon, vous êtes vivant. Oui. Cette combinaison vous a sauvé. Aha. J'ai peur qu'on puisse le déplacer, et tous nos téléphones sont morts. S'il vous plaît, allez à la surface et prévenez-les que nous sommes bloqués ici. Je vais vous aider à passer l'analyse rétinienne. Mes collègues aussi vous aideront, j'en suis sûr. D'accord. Mais... Oh, des headcrabs qui spawnent là-dedans. Ils peuvent nous attaquer ou pas? Je pense pas pour l'instant. Ouais, ils essayent, mais... C'était pas quoi. J'ai trouvé votre frère jumeau ici. Ouais, c'est lui, hein. Vous avez la même tête. Accès refusé. Bon, bah d'accord. Accès refusé. Ah mais faut que tu me suives. Allons-y. Oh, le jeu est bien fait. Allez, ouvre-moi ça. Merci. Je vais mourir ? Oh, parfait ça. Oh le jeu. Attendez deux secondes, je vais fermer ma fenêtre. Hop là, ça va être mieux quand même.
Non, c'est là. Ah, c'est là que je viens, pardon. Et tu veux pas m'attaquer? J'ai rien sur moi. Mais je glisse. Ah lui aussi il est mort. Oh l'acrobat. Attendez. Ouais, je vais faire ça fait lui. Voilà. Oh là, non mais un moment. C'est ici. Oh non, je suis mort. Je me suis fait toucher par un laser. Ouais, on va laisser casser ça. Bon, en soit cette partie du jeu, je l'avais déjà commencé. Le speedrun. J'imagine qu'il faut faire ça, c'est ça. Voilà. On fait en entier. Ah bah je l'ai tué. RIP. Bon. Comment je fais? Comme ça. Ah, oh, je suis pas mort. J'ai cru que j'allais... Énergie disponible, 15%. Ah ouais, stylé. Ah, oh, ça dépop. Faut que j'aille où en fait? Faut que j'aille au-dessus, je pense, non? Ouais, faut que j'aille au-dessus, pas en dessous. J'ai récupéré du shield en descendant. Pourquoi pas? Non! Ah, c'était pas ici! Oh, je suis pas tombé! Oh, c'est quoi ça? Des dents dans le torse, pourquoi pas. Ah, il y en a un autre. Oh, je l'ai eu. Jusqu'ici, le jeu est incroyable, hein. Refusé. Le jeu est incroyable de toute façon. Ah, par contre, il y en a beaucoup. Hein. Moi, je suis l'acrobat. Hein. Ah, j'ai 30 PV. C'est chaud, ouais. Après, ils ont toujours le même pattern. Hein. Il est mort. Par contre, j'ai 10 PV. Faudrait un kit de soins pas loin. Oh, 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 oh. Le décès. Ah bah, il y a encore des canettes. J'ai fait tomber toutes les canettes. Let's go. Comprends, on se demande pourquoi ils ont fait ça, quoi. Parce qu'ils ont le souci du détail chez Valve.
Ah, c'est sûrement par ici. Ah oui, mais je viens d'ici, d'accord. Attention à tout le personnel de sécurité. Ah, je crois que j'ai skip. Attends, skip un truc là. J'ai skip un truc là. Faut pas aller là. Ouais, du coup, on fallait. On peut pas aller là. Très bien. On peut pas aller là non plus. Ah, allez, j'ai arrêté l'alarme. Ouais, du coup, pour rentrer là-dedans, faut bien aller par ici, par la vente. Je suis sus. Ratio, voilà. Je l'avais même pas vu lui tout à l'heure. Oh, j'utilise les vents. Hop. Oh, c'est un cassette. Eh oui, y'en a un autre. Du coup, il va se relever. Attention, forme biologique non autorisée détectée dans le circuit de climatisation. Voilà, fais dodo. La lumière est cassée, je crois. Il me semble. Nice. Ah non. Mais c'est juste là. Moi je peux. D'accord, bah j'ai un gun. Désolé frérot, t'es mort. C'est tellement triste. Comment je passe moi? Fait enculer, j'aurais pu le sauver peut-être lui. Y'a moyen, j'aurais pu le sauver en vrai. Oh non, dans le 5 quand le mec est mort tu revois pas hein. D'aller plus loin. Oh. Je te prends du heal. Ouais, j'ai ratio le machin là. Ratio tout le monde. Si. Yeah.
Faut que j'aille là, faut que j'aille là-dedans pour rejoindre là-bas. J'ai pas le choix. Je pense que j'ai pas le choix. Ouais, c'est là d'où je viens. Faut que je fasse ça. Ah oui, bah oui. Bien sûr. Très bien. Je suis en rond là, ok, d'accord. Il faut aller là. Ok, on ouvre les vannes, on ouvre l'eau. Faut peut-être aller là. Oui, c'est là. Voilà. Voilà. C'était bien ce qu'il fallait faire. Très bien. Rip. Rip, lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut que j'actionne ça. Oh, il y a du monde. Voilà. Bon, faut que j'essaie d'esquiver ce qui arrive du coup.
descend encore. Il est dans la caisse. Moi, il est mort. Le décès. Ah, des mules là-dedans. Ah, let's go. Clairement un pistolet là. Allez, let's go. Combien de balles? Ça va, ça devrait aller. Ah, rip. Rip. Pépine pepperoni. Je dois aller là, du coup, j'imagine. Hop là. Ça qu'on fait. Hop, de l'énergie. C'est quoi ça? Oh oui, c'est des... Énergie disponible, 30%. Énergie disponible, 45%. Ah, ça me recharge quand même. C'est sympa. Ah, je l'ai tué. D'ailleurs. Je pensais que c'était plus efficace que ça, mais non, pas tellement en fait. Oh bah, j'ai cru que ça me tuerait, mais pas du tout. Quel enfer! Il en faut 4? Quand même? Il y en a partout ces machins. Ça revient? Non, je pense pas. Quand même pas. Ah oui, d'accord. Ah, je dois aller là? D'accord, ok. Ah bah voilà du soin. Allez, let's go. On se met bien, 90 PV. Pas le droit. Ah, si, quand même. Allez, let's go. Ah, j'ai que 2 balles. Bah super. Je vais aller loin avec ça. Très bien, c'est arrêté. Ah, mais du coup, je vais grimper dessus. Ouais, c'est ça. Faut que... Un peu profond le trou. Ah. Ah non, je suis dans l'ombre. Je dis, il y a un problème de texture sur mon barreau, mais non. Oh non, c'est des... C'est juste que... on est dans l'ombre. Oh non, j'ai pris du... Ouais, non, c'est bon. Ah, j'ai cru que c'était une caisse. Oh non. J'ai pu arriver ici. Comment j'ai pu arriver ici? Comment j'ai pas le droit de remonter? Mais quoi? Bugué? Valve? Bon bah je vais recommencer. Ah, je suis devenu le glitcher fou, c'est moi.
Bon, par contre, c'est bizarre. Ah, oh, bah, je suis arrivé là, du coup. Il m'a fait arriver jusqu'à l'autre bout. Non, mais non! Mais c'est vraiment. Il y a un problème là. Pas grave. Bon, du coup, je suis arrivé ici. C'est par ici. Quoi? C'est pas ici? C'est quoi? C'est pas. Ah, bah si, quand même. Pourquoi il voulait pas s'ouvrir cette porte? Ouais, j'ai 2 balles. Faut pas aller loin avec 2 balles. Ah, d'accord, faut pas que j'appuie sur E. Faut que je me fonce dans la porte pour ouvrir. D'accord. Un ascenseur, sûrement. J'ai pas le droit d'utiliser. Ah. Mais attendez. Ah, mais je suis là, je suis passé cette salle de. J'avais passé cette salle. Bon, c'est pas grave, on a juste à remonter là. Je crois. Ah, faut que je refasse tout ça. Stylé. Stylé. Ah, il m'a fait respawn ici. Oh the fuck. Donc où faut-il aller? Ici alors? Ah oui, bah oui, ici il y a l'ascenseur, je suis bête. Flex administratif, je suis pas doué hein. Pas doué du tout. Meurs lui. Ouais. Ouais. Ah, Freeman. Je vois que vous y êtes jusqu'au cou, vous aussi. Oui, il vient de se faire bouffer. Littéralement. Ah, stylé. Chance de pouvoir passer. Oh, l'autour. Il est ici. Poyo. Par contre, ça, c'est quoi? Poyo. On a trouvé Poyo. Oh, il y a plein de ses amis. Il y en a plein ici. Bon allez. Ah ouais. Ah, stylé. Ah, j'ai plus de balles. Regarde, y'en a un autre ici. Oh non, je suis... Wow. Rip. Bon. Ferme les merdes. Il passe. Allez, speedrun, c'est bon. J'ai failli le taper.
Oh, mais je suis obligé de vous écraser là. Bon. Voilà. Je peux passer là. Mais pourquoi je meurs? Je vais récupérer les balles. J'espère que ceux du labo vont me parler. Ainsi toi. Peut-être que je reviens une fois que j'aurai arrêté. C'est assez bizarre. Ah. Toi tu meurs. Et tu meurs aussi. Voilà. J'aille là-dedans. Mais non. J'aille là. Ouais, ça doit être ça. J'aille là avant. Voilà. Voilà, j'ai ouvert maintenant. Oh! Tous les amis de Poyo se réunissent ici. Il doit y avoir un bouton pour éteindre. Non! Mais il est en train de me bouffer. Je crois qu'on n'est pas prêt de recevoir une nouvelle sur nos yeux. Un bouton pour éteindre quoi? Danger, mort imminente. Oh bah j'ai bien compris, j'ai 4 PV. Un bouton pour éteindre quoi? Parle de quoi ce pux? Ah, pour éteindre l'électricité. Ouais, mais ça doit être là. Je pense que c'est ici. Il a dit que ça tournerait pas. Ouais, c'est ici. Voilà, plus d'électricité. Parfait. Gordon, si j'avais su que c'était vous, je vous aurais ouvert. Tout le monde essaie de retourner à la surface. Ah ouais? Moi, je pense qu'ils sont dingues de ne pas rester ici. Il faudra bien que quelqu'un vienne à notre secours. C'est réel. Tu dis des choses vraies. Il y en a un autre ici. Quel enfer. Je peux lui donner quelque chose à bouffer. Genre un props. Du coup on peut... je peux passer là. Ah mais du coup je peux aller chercher les munitions. Vu que le truc est arrêté. Mais oui! Ah, je suis mort. Je vais pas y arriver. Yay! Toi aussi meurs. Yes! Oui, allons-y. Moi, je m'arrête ici. Comme c'est intéressant, regardez ça. Pour rien, il reste là, lui, il passe à aller au fond. Bon, je cherche. Je vais vraiment te chercher, frérot. J'espère que vous savez ce que vous faites. Ouais.
Ouais, mais je crois que t'es bugué. Ah oui. Ah non, il me suit depuis tout à l'heure, d'accord. Tu me suis donc. Frérot, voilà. Alors attends, tu vas m'attendre ici. Pourquoi me laissez-vous ici? Je vais retourner ici avec mes deux balles. Là, je le tue. Il y en a deux. J'ai eu. Là, il est mort. Là, il est mort. Voilà. Voilà. Enfin, j'ai les balles. 34. Bah voilà. Voilà. Il fallait que je vienne ici. J'ai tué ? Non, je l'ai pas tué. Très bien. Je serai discret comme une ombre. Du coup, tu peux même suivre. Oh. Je refuse de faire un pas de plus. Très bien. Il y a l'électricité dans les lots, du coup. Ah ouais, je suis de fou. Je peux ouvrir ici. Je suis dans les caisses là ? Non, rien du tout. Tour, il y en a partout. Hein. Ah oui, lol. Je suis fait avoir. Je l'ai tué. C'est pas moi qui l'ai tué. Non. Oh, le pompe. J'ai le pompe. Let's go. Let's go. Attends, il y avait rien d'autre avant. Y'a quoi là-dedans? C'est juste pour se soigner. Je pense que c'est juste pour soigner. On va soigner Wax, hein. Lui, bizarre. Allez, let's go. Du coup, j'ai le pompe maintenant, let's go. J'en fais du bon pompe là. J'ai l'air con un peu. Ah, du kit, du soin. Ah, mais du coup, je suis full. D'accord. Il y avait rien. Ça sert à quoi? Je suis sûr qu'il faut que j'aille là, moi. Je dois faire le tour. Que je dois aller là. C'est là que je dois aller. Comment j'y vais? Boum. Boum quoi? Ah, je tire. Tu veux que je tire là-dedans? Attends. Tu veux que je tire là-dedans? Aux pompes? Oh non. Je sais pas, je suis softlock. Je sais pas ce qu'on va faire. Visiblement, le système de confinement n'a pas fonctionné. Ah, ici, il faut que j'aille. Ah, là-dedans ? Non.
je peux ouvrir ici? Non mais... Je sais pas du tout. Je vais aller où là? Storage? Je sais pas, je peux aller jusqu'ici mais je suis bloqué. Rien ici. Rien du tout. Je devais le sauver peut-être pour qu'il m'ouvre. Au pire, on va recharger. Ça se trouve, je devais le sauver. Je l'ai tué. C'est quoi le dernier point de passage? Je vais regarder dans le clavier. Je pense que je vais... Ouais, faut que je reload. Chargement rapide. Chargement rapide. F7, du coup. Oh ! Non ! Quoi ? Soyez le bienvenu dans votre combinaison de protection en milieu hostile. Quoi ? Attends. J'ai pas de save... Ouah ! Attends. Groupe d'obstacles. Chargé, c'est quoi ça ? Ah oui, d'accord, c'est ça. Si je fais ça... Ah, voilà, merci. Vous allez devoir me laisser ici, Gordon. Oh, j'ai peur, j'ai tellement peur. J'ai jamais save auto. Enfin, c'est pas moi. Enfin, justement, j'ai jamais save manuellement. Mais j'avais une save qui était pas si loin là. Ah, j'ai eu tellement peur. L'enfer. Quoi? C'est bon, j'ai tué un méchant. T'inquiète pas. J'ai eu très peur là. Non, mais tout va bien. Voilà. Allez, go, je suis... Enfin, si je vais là. Faut que j'arrive avant qu'il se fasse buter. Oh. Salut, Gordon. C'est ça. Let's go. C'est ça, et il va m'ouvrir. Bien compris, au pas de course. Mais oui, c'était ça. Mais oui. Il fallait... Bon sang, qu'est-ce qu'il est mort alors ça. Qu'il devait pas mourir. Let's go. J'étais bien... Du coup, j'étais bien softlock. Sors d'où, toi? Attends, j'ai masse de munitions de pompe, hein. Je me l'ai peut-être même trop en fait. Ah ouais, j'ai des missions de tout en fait. Ah là je me mets bien. Je me mets très très bien. Pourquoi pas? Après tout, j'avais pas envie de mourir seul. Voilà, tu me suis hein. Me suis? Je pense pas. Je reste ici en couverture. Ouais, allons-y. Me suis ou pas? Ils sont censés me suivre? Oh, il veut pas me suivre, je pense. Donc, mais c'est là qu'il faut que j'aille en fait. Attends, moi je suis débile. Mais non, c'est là où je suis allé, y a rien en fait.
Et du coup, je sais pas du tout softlock. Je pensais que c'était la suite, moi. Je suis triste, du coup. Faut que je coupe l'électricité aussi, ici. Par là, bah c'est l'event par là. Enfin, c'est le truc là. Ouais. Cette brèche interdimensionnelle véhicule de la matière organique, c'est une certitude. Très bien. Faut que j'aille où ? Faut que je fasse quoi ? Ah bah faut que j'aille là ! Let's go, j'ai trouvé ! Bah, je suis direct allé dans la vente. Faut que je coupe l'électricité, j'ai pas le choix. Non, faut que je fasse comme ça. Waouh, ok. Oh ouais, non mais... Ah, j'ai du mal à trouver... Ah, des fois... Oh, ok, je peux ouvrir maintenant. Ah, let's go. Je suis plus softlock. D'accord, Gordon. Wow. Non. Comment ça, non? Mais tu veux toujours pas venir, toi? Je peux lui mettre une balle. Bon, du coup, ensuite... Là-dedans qu'il faut que j'aille ? Ah oui, d'accord, donc faut que j'utilise ça. Logique. Ah ouais, mais Gordon, il est un peu fort quand même. Attends. Mais what the fuck ? Voilà. Mais... Un peu chaud la physique quand même. Je trouve ça sus. On va y arriver, c'est bon. Mais what? C'est pas ici qu'il faut que j'aille? Si. Ouah, c'est chelou. À faire ici, mais si, faut que j'aille ici. On est d'accord que c'est ici, faut que j'aille. J'ai pas le droit de sauter. Ah bonjour. J'ai loupé un truc ou... Non, c'est ici. Bizarre. Tu penses que c'est autre chose Non, je pense que c'est ça.
Bizarre. C'est assez bizarre. Je vais pas rester. C'est là? Pour descendre l'échelle? Ici, là? Assez capricieux, le genre. Il me repousse en fait. L'échelle me repousse. C'est bizarre. Waouh. Oh. J'ai réussi à monter. Bon bah écoute, on va monter hein. Waouh, mais c'était si simple. J'étais bugué dans l'échelle en fait. Enfin, j'arrivais pas, j'avais pas compris que je pouvais monter. J'avais pas compris que je pouvais monter. Ah merde. Oui, mais du coup oui. Mais en fait ici, c'est pour ça que ça me repousse, parce qu'en fait je peux monter à l'échelle. Comme ça. Faut juste que je mette mon. Ok, faut juste que je mette mon viseur vers le haut. Putain, je vais rester bloqué sur... RIP. Ah, y a du monde. Oh mais attends. On va laisser tranquille. Et un de plus. Let's go. Ouais, on s'en sortira mieux si on reste ensemble. T'as raison mec. Allez des balles. Il y avait rien là. Prima, je n'en reviens pas. Vous êtes vivant? Eh oui, c'est moi. Vous ne voulez pas examiner un de ces échantillons de sang au microscope? Oh bah attends deux secondes. Ah bah GG. Lol, on vient dans l'event. Forcément, il y en a toujours un à Mogus dans l'event. Non. Let's go. Et une saloperie de moins. Sa petite bague. Voilà. Il y en a partout. Hey, vous avez vu ça? Un très joli trophée dans le salon. Trop sus l'event, babe. Forcément que c'est sus l'event. Partout, au secours. Bon, du coup, je vais bien visiter tout. Voilà, c'est fait. Oh, attends. Il y en a partout. Ah, mais il est là. Je ne suis pas sûr de vouloir retourner à la surface.
C'est ce qu'on fera si l'opinion publique apprend ce qui s'est passé ici. Bah, vous êtes dans la merde s'ils apprennent ça. Ça, faut le savoir, hein, vous êtes dans la merde. Il me suit ou pas? Oui, bon sang, vous êtes blessé. Essayons ça. Oh, il va me soigner. Ne vous inquiétez pas, je suis médecin. Oh, le frérot, il m'a soigné. Je crois qu'il vaut mieux s'arrêter là, j'ai un mauvais pressentiment. Comment ça, s'arrêter là? Ben non, on va pas s'arrêter. Allez, let's go. Hop là, du soin. Hop là. La chance va tourner. On est marqué, maintenant. Je viens d'intercepter une transmission. Des soldats viennent d'arriver. Ils vont nous porter secours. Ah, il faut savoir si nous durons assez longtemps pour les accueillir. Let's go, les soldats. Moi, je connais déjà l'histoire. Je sais ce qui va se passer. C'est un explosif, ça? Pas ça, pas ça. Let's go. Bon, faut pas que j'explose ça. Je te batte ta prochaine. T'inquiète pas, je risque pas de spoil, je suis en train de faire le jeu. Je vais pas me spoil moi-même. Salut, mais qu'est-ce que vous fichez là? Remontez! Il paraît que les soldats vont arriver pour nous porter secours. Allez, let's go. Ouais, des soldats, oui. Allez, ils vont nous porter. Ok, je vous couvre. Ils vont nous aider. Alors, oui. Je parie que tu vas faire mal. Pas beaucoup de PV, hein. Ah, il est là. Je suis mort, non. Quel enfer. Qui fait peur. Je suis tout seul là, je crois. Oh, mais j'ai un shotgun, je suis bête. Mais j'avais complètement oublié le shotgun. Oh, elle est dure. Tiens, je connais cette blessure. Bonjour. Oh, y'a plus rien dedans. Mais j'ai MDR, j'avais oublié que j'avais ça. C'est bon. J'ai réussi. Let's go.
sais pas ce qu'il y a ici. Je peux pas aller là non plus. Continuez sans moi. À deux, on aura plus de chances d'en sortir vivant. Ouais. Bah si tu me suivais aussi un peu. J'imagine que c'est forcément ici. On va tout casser. Voilà. Voilà. C'est quoi ça? Valve. Valve. Garde la partie. Bah oui, ici, complètement. Valve. Non, justement, Valve, c'est ce qu'on fait Half-Life. T'es développeur de Counter-Strike. Non, non, justement, Valorant, c'est Riot qui a fait Valorant, MDR. Ah oui, tu dis ça pour me troller, MDR. J'avais pas compris. Très bien. Je suis un boulet pour vous, n'est-ce pas? Ravi de pouvoir aider un collègue. Ah bah oui, on est collègues, oui. Ouf. Oh, j'ai trouvé une... Oh, j'ai des... Une erreur de cette importance est très improbable. Comme c'est intéressant, regardez ça. Quoi, regardez quoi? J'en ai lâché une. Je suis en bozo. Bonjour. Il m'a dit bonjour. Il m'a dit bonjour. Le dude se fait attaquer et il me dit bonjour. Quoi? Passez devant. Hop là. Tu m'excuses. Hop, t'as des choses à ramasser ici. Hop là. Ah, mais ils font des trucs dans l'event là. Oh, il y a encore des trucs dans l'event. Bon, faut aller chercher. Vous persistez. Voilà. Non, mais reste là en fait. Je vais attendre. Bah oui, mais tu vas partout. Ça bouge ça? Ok. Y'a quoi là? Y'a absolument rien. Il t'arrive quoi toi? Ok, il t'arrive rien du tout. Il arrête pas de bouger. Faut que je le prenne jusque là-bas. Non, je peux pas. Comment je fais?
vente, elle est là. Ah, c'est pour ça, d'accord. D'accord. Il faut que je... Il faut que j'aille ici. Comment je vais ici? Par ici? Ah, ici! Oh là là! Valve, des petits coquins. Je viens par là, faut que j'aille. D'accord, ok. Oh là là. Il est bien fait le jeu. Donc maintenant faut que j'attende. Planqué sur. Eh, on n'est pas con, hein. Il y en a encore ici. Yeah, let's go. Quelle heure il est là? 10h15. Malin le Benji, bah oui, bah oui. On se fait pas manipuler. Non. J'ai marché dessus. C'est pas grave. Voilà, on fait attention. On fait attention. Tu one-shot avec ça? Oui. One-shot, c'est peut-être un peu mieux. Il y en a partout les cafards, je vais marcher dessus. Ah non, mais il est déjà mort lui, my bad. Bon, du coup je dois monter à l'échelle, logique. Je dois aller où? Je dois aller là, je pense. Non, c'est là d'où je viens. Ah, je dois aller là, le truc vert. Ouais, je dois aller là. 100%. Mais du coup, j'ai pas besoin de l'échelle. C'est par ici qu'il faut que je monte. Je vais y arriver. Voilà. L'autre côté, du coup. Très bien. Nice. En même temps, je suis vraiment toute droite, quoi. Oh, nouvelle zone. Désolé, monsieur. Mais pour moi, je crois que c'est la fin du voyage. Je t'ai sauvé la vie. Ne comptez pas sur la cavalerie pour nous sortir de là. Remontez à la surface.
Les ascenseurs sont en panne, mais on peut toujours grimper. Ok, je vais attendre ici et aider les autres. Oui, vous êtes en piteux état. Ne bougez pas, vous ne sentirez rien. Il va me soigner aussi, lui. Let's go. Merci, frérot. Par contre, tu... Merci. Ah, bah on revient ici. Ok, d'accord. Ah, je fais tout le tour encore. Ah, il y avait rien du tout dans ces caisses-là. Bien compris, au pas de course. Je vous ralentis, n'est-ce pas? Très bien. Viens B, les copains. Non. Vous allez devoir rester ici, Gordon. Pourquoi? Vous et moi, on fait une équipe du tonnerre. Ok, je vais m'assurer que la zone est sûre. Pourquoi pas? Après tout, j'avais pas envie de mourir seul. Moi, je m'arrête ici. Là, voilà, tu décèdes. Tu décèdes. Oh, pompe encore. Ok, du PV, de DP. C'est une porte en fer. Très bien. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Des mines. Bah, c'est derrière la porte, d'accord. Bah, et le mec est bougé, décédé. Je peux rien faire pour lui. Voilà, on fait les choses propres. Non, mais Gordon et ses patins à roulettes là. À faire dans la zone. Vous ne voulez pas examiner un de ces échantillons de sang au microscope? Le G-Man! Bâtard. Ça ne peut pas être pire. Il s'en va. Vous l'avez vu. L'homme malsain, l'homme à cravate. Bon. Ah. Toi, quelque chose me dit que tu vas mourir. Quelque chose me dit que tu vas décéder. C'est pas que je le veux. Alors. Du coup, je dois aller là. Oh bah j'ai bien... Je dois venir te sauver, c'est ça? J'arrive! Il est tombé. Il est tombé, je l'ai pas vu. Non? Si, il est tombé. Là. Bon bah on rip. Ripley. Ah non, moi aussi. Rip moi. Ah bon, reviens. Je donnerais bien mon hémisphère droit pour quelques heures. Voilà, c'est comme ça. Quoi. Commando. Hop là, des PV. Bon, on va essayer d'aller un peu plus loin et je pense qu'on va s'arrêter là. Donc lui, il y a... Bon, si j'arrive à temps, est-ce que je peux arriver à temps? Bon, ben, je fais ce que je peux. Il y a des pop. Allez, voilà, c'est comme ça qu'on fait.
On l'a après. Ça va rien monter ici. Si, c'est ça. Fracture importante. Ça sert forcément à quelque chose. Système de soins activé. Injection de morphine. Du coup, moi, hop, je veux aller là, mais... Faut descendre, tu penses? Moi, je suis monté. Faut descendre? Il se trouve, il faut juste descendre, hein. Hop là. Hop, hop. Hop là. Ça résonne de tellement... On va recommencer. Le saut est secondaire, ouais, mais je suis fort là. Je suis fort en saut. Bonjour. Voilà. Bon, on va rusher cette partie là. Speedrun, speedrun. J'ai pas le droit. Descendre. C'est pas possible. C'est pas possible, faut pas descendre. Tu peux pas descendre. Sors de là. Ouais, je vais attendre ici. Non, tu à vas deux, pas attendre. On aura plus de chances d'en sortir vivant. Voilà, parfait ça. Et je dois faire quoi? Je dois aller en haut ou en bas? Je pense qu'il faut aller en haut, moi. Qu'est-ce que je fais une fois que je suis en haut? Il a menti. Soupu que ça mentit. Et dégage. Merci. Oh, je pense qu'il faut monter, mais... Je vais peut-être monter avant qu'il meure. Pour essayer de le sauver. Pas comme ça. Aucune idée. Hein. Non mais il est mort. Rip. Et comment il est arrivé là déjà? On va essayer de redescendre. On va redescendre safe. J'ai réussi à prendre des PV. Ah, bah là, il y a une échelle pour descendre. Mais non, mais je peux pas aller en plus bas. Mais si, regarde, c'est vraiment en bas qu'il faut aller.
je crois qu'il faut un nombre de PV minimum, quoi. Alors là, j'en ai combien? 52. Je vous reconnais. Vous venez du laboratoire de test pour les meilleurs anneaux. J'ai pas perdu de PV. Là, j'en récupère. J'en ai 82. Je peux peut-être sauter avec ça, sans mourir. Peut-être ça le truc. Bon. Je ne peux plus tenir. Il peut plus tenir, le gars. Là, il est tombé. Là, il est tombé, rip. Ah oui, mais pourquoi je monte, moi? Faut que je descende. Ah! Attends, faut vraiment que je descende, hein. Je pense que t'as raison, finalement. Bah, j'ai perdu des PV. Oh, mais je suis un clown. Je peux pas descendre, c'est pas possible. Hey, ça fait plaisir de vous voir. Je vais bien finir par trouver. Je vais pas mourir en boucle. Je ne vais pas mourir en boucle. Je trouve ça vraiment bizarre. C'est louche. C'est très louche. Là, toi, tu vas arrêter. Je reste ici en couverture. Je vais le chercher. Il peut plus tenir. Quand je monte un étage, il dit il tombe. Là, il tombe. Il tombe pas. Il tombe. Il dépop. Là, je peux pas aller. Ça sert à rien d'aller au-dessus, y'a rien. J'ai perdu des PV. J'ai perdu les PV. Je peux pas descendre là. J'ai aucune idée de comment. Ok, j'ai réussi à revenir ici. Tu veux que je revérifie? Rien. Pas un interrupteur ni. Non, y'a rien. J'appuie n'importe où, y'a rien. L'attends? Je suis un bozo. C'était juste là! Il faut que je rentre dedans, je pense! Et j'ai ouvert. Eh bah, merci de m'avoir dit de revenir en haut. Parce que c'était bien là. Ils sont juste derrière nous! Oups! Nous sommes perdus! Il est où le bug? Il est décédé. Il a couru. C'était bien caché, sa mère. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas sûr qu'il fallait que je fasse ça. Ah, mais je peux pas passer du coup. On va recharger. Je crois que j'ai fait une connerie. Pourquoi
pourquoi j'ai fait ça. Ah, ça s'ouvre. Nice. Du coup, comment je passe? Ah oui, y'a un agent qui est mort là. Oh, j'ai l'M4. Ça c'est le plus intéressant de la vie. Let's go dans ce mur. J'ai plus beaucoup de munitions pour la M4, mais en même temps j'ai tout utilisé. Hein. Bah, pistolet. Y'a quoi là-dedans? Ah, y'a un kit. Peut être intéressant. D'accord, ah, y'a plein de tourelles là encore. Je pense, j'en ai un max. Ouais, il faut que j'aille pas. Oi, oi, oi. Mais là, je suis obligé de...
Le soin. Ouais, le soin, il n'y a rien d'autre ici. Attention, tous les personnels. On va essayer de faire en sorte qu'il ne meure pas. Immédiatement au niveau C2. On va faire en sorte qu'il ne meure pas. Tout se passe bien. Tout se passera bien. Seul capop. Est-ce que j'étais sur lui, je pense. Bon, je vais bien finir par y arriver. Voilà. Le pompe. Ah, c'est le pieu qui explose, ça, je pense. Ah, il y a des munitions là. Ah, mais j'ai. Je pouvais pas le prendre, je pense que c'était pour. Non, je pouvais pas le prendre, pourquoi je pouvais pas le prendre? Bizarre ça. Laissez-moi m'occuper de cette blessure. Oh, merci frérot.
Bah lui, il est pas sus pour le coup. Mais ça, c'est un peu les militaires qui sont censés me sauver. Oula, les militaires qui sont censés me sauver. Nous sauver. Ça, c'est un peu, non? Ça fait réfléchir. C'est où la suite? Oh ouais, c'est là. Tu me suis. Oh, il est dépendu. Ah, il est mort. Il s'est fait broyer par l'ascenseur. Oh. Attends. M'arrêter ici. On continuera
demain, je pense. Demain, on continuera. Je vais save ici. Hop. Nous avons des éléments. Sauvegarder. Attends, puisque je vais m'embrouiller, moi. Nous avons des... C'est là. Actuel. Ouais, je vais rater là. Chargé parti. 55 minutes. Comment ça, temps écoulé, 55 minutes. On n'a pas mis 55 minutes pour faire tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bugué. Bugué le jeu. Temps écoulé entre les sauvegardes, peut-être, je sais pas. Bon, allez. Voilà. C'était bien sympa. Je kiffe le jeu. Ah bah j'ai save normalement. Normalement c'est bon. T'inquiète pas. Ça va bien se passer. Bon bah voilà. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis sûrement demain qu'on va recommencer ça. Voilà. Bon bah allez, à plus. Bonne soirée à tous.